Instant culture, les Saiyans. De quel pays est originaire la plante donnant naissance aux épinards? Réponse dans quelques secondes. Oui. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est le Saiyajin Random Milkshake. Mais pourquoi je vais trouver des noms comme ça? Tout simplement, Saiyajin, puisque c'est notre marque de fabrique. Random, bah, parce qu'en fait, ce que je vais vous proposer, je l'ai jamais vu, d'accord? Donc, l'objectif d'aujourd'hui, ça a été de regrouper des super noms. D'accord? De les mettre ensemble, d'essayer de faire un bon mix et voir ce que ça donne. Et en même temps, je vous donnerai tous les apports nutritionnels de ce Random Saiyajin Milkshake. Let's go pour les ingrédients. Du coup, présentation des aliments, on va essayer de faire assez rapide puisque je viens de faire une petite séance. Le but en fait c'était de le consommer directement après la séance. Donc c'est parti, premier aliment que vous aurez besoin, ça sera la banane. Ok, deuxième aliment que vous aurez besoin, de la protéine. Pour ma part, je consomme rarement de la protéine, mais quand j'en consomme, ça sera de la protéine vegan. Sans soja, sans sucre ajouté, sans gluten et sans produits laitiers. Sans produits laitiers, pardon. Donc celle-ci, c'est une protéine de riz brun. Voilà pour moi. Troisième produit, les Saiyans, que je vous propose, moi, ça sera du lait d'amande. Vous pouvez prendre un autre lait, mais personnellement, je vous conseille du lait végétal. Donc lait de soja, lait d'amande, lait de noix de cajou, peu importe. Quatrième aliment, ça sera du beurre de cacahuète. Ce que je vous conseille pour le beurre cacahuète, c'est de prendre du beurre cacahuète avec marqué dans les ingrédients cacahuète, c'est tout, rien d'autre. Parce que si vous commencez à prendre du beurre cacahuète riche en sucre et plein d'autres conneries, ça sera, on ne sera pas forcément dans l'esprit sain, dans un corps sain. Vous voyez ce que je veux dire? Et le dernier aliment, le cinquième aliment, sera la poudre d'açaï. Ça, c'est vraiment un aliment exceptionnel. Il vous permettra de soulever 2 à 300 kg directement après l'avoir pris. Et enfin, des glaçons, au cas où vous avez eu trop chaud. We'll be right back.
les Saiyans, c'est bon, la préparation est prête. Maintenant, on va arriver à un moment un petit peu difficile. Ça va être de verser la préparation et dans ce petit bocal. Il n'y a pas de bec, donc ça risque d'être un peu compliqué. Attention. C'est impossible. Ok les Saiyans, du coup c'est le moment de la dégustation, donc du random Saiyajin milkshake. Donc comme je vous ai dit, je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai jamais goûté, je sais pas ce que ça va donner. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va se donner un petit code, je vais le boire. Si c'est bon, je ferai il est trop bon. Et s'il est pas trop bon, s'il est pas très bon, je se dirais c'est un super milkshake. Les milkshakes, il faut les boire de toute façon comme des médicaments, etc. Bref, on parlera pas du goût, on parlera des super aliments qu'il y a dedans et que quoi qu'il arrive, il est bénéfique. On fait comme ça. Mais à mon avis, il a l'air pas mal, il est frais en main et en plus il a une belle couleur. C'est parti pour la dégustation. Non, c'est pas une blague, c'est une tuerie. Ouah, il est super bon. Et franchement, je suis super content de moi. Essayez la recette. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de me mettre en commentaire vos recettes à vous. Pas des recettes trouvées sur internet, vraiment des recettes à vous que vous avez testées et que vous avez envie de faire découvrir aux autres. Et je me ferai un plaisir d'essayer de les goûter. Hausse les Saiyans! Scott the Colony off! Kimmy! Apart!